crois bien que personne ne s'attend à se retrouver brutalement propulsé au cœur d'une guerre impitoyable entre deux organisations secrètes. Je m'y attendais pas. Et pourtant... D'un côté, il y a les Templiers, plus connus aujourd'hui sous le nom d'Abstergo Industries. Ils veulent accaparer le pouvoir, la politique, l'économie, la technologie. Et ils continueront tant que nous ne serons pas tous à leur merci. Pour de bon. Et de l'autre côté, il y a les assassins, qui tentent de préserver le libre arbitre de l'humanité. Je suis né au sein de leur confrérie. Les Templiers ont retrouvé ma trace il y a quelques semaines. Ils m'ont capturé. Ils m'ont placé dans une machine et ils m'ont mis au travail. C'est un animus. Et c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps. J'explore la mémoire génétique de mes ancêtres. Je découvre des vies entières enfouies au cœur de mon ADN. D'abord, j'ai revécu les souvenirs d'Altaïr ibn Lahad, un assassin du temps des croisades. Les Templiers cherchaient à localiser ce qu'ils appellent un fragment d'Éden, une relique très ancienne capable de contrôler l'esprit des êtres humains. Ils pensaient avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Alors ils ont estimé que je ne leur servais plus à rien. Mais Lucie m'a sauvé. Lucie, quand tout semblait perdu, elle m'a révélé qu'elle-même était un assassin et m'a aidé à m'enfuir. J'espérais que ce serait la fin de mes mésaventures. Elle ne faisait que commencer. Je suis retourné dans l'Animus. Maintenant, je revis les mémoires d'Ezio Auditore da Firenze, mon ancêtre de la Renaissance. Et je cherche à trouver une issue. Grâce à l'effet de transfert, je vais devenir l'assassin que j'aurais dû être. Ce ne sera pas inutile, vu que les Templiers veulent faire de nous leurs esclaves. En parlant des Templiers, ils ont pris d'assaut notre cachette, alors on va devoir se planquer ailleurs. Mais le temps presse, et on n'a nulle part où aller. Je m'appelle Desmond Miles. Ceci est mon histoire. Comment m'as-tu trouvé ? Mario Auditore m'a conduit ici. Rebecca, il y a un problème ? Je vais devoir lancer une analyse, je te tiens au courant. C'est fait. J'ai délivré mon message. Nous pouvons partir, tous autant que nous sommes. Nous ne pouvons rien faire de plus. L'avenir est entre tes mains, Desmond. Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions !
Il vaut mieux le confier à la Terre que le laisser aux hommes. Mario. Que veux-tu? Nous avions envoyé un homme se battre contre une armée. J'étais inquiet. Vite, grimpe! Ne restons pas ici. J'ai vu des choses vraiment fabuleuses, Mario. Tâche de rester en vie si tu veux me les raconter. On risque d'être attendu. Les Borgia, eux, risquent d'avoir de nombreux morts à pleurer ce soir. Cosa fate qui? Assassini! Dieu vous punira pour vos crimes! Par votre seule présence, vous avez profané cet endroit sacré! Vous condamnez ce que vous ne comprenez pas! Nous devons partir, Ezio, vite! C'est le diable qui parle à travers lui! Il ne faut pas les approcher! As-tu été blessé par Rodrigo? À peine! Mon armure a atténué l'attaque. Prépare-toi au combat. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois meilleur que nous? À ton avis, je te sauve la vie. Pas mal pour un vieil homme. Et ouais, tu as encore de bourré. Buona questa. Excellent. Magnifique. Quelle adresse.
Toi seul peux prendre cette décision. Mais tu dois faire vite. Donne-la-moi. Tu prendras ta décision plus tard. Belle. Saute ! Mineur va parler du soleil. D'une catastrophe qui s'est produite il y a longtemps, et d'une autre à venir. C'est censé arriver dans plusieurs siècles. Nous n'avons pas à nous en soucier. Non. Notre travail est terminé. N'est-ce pas mieux ainsi? Nous avons amélioré nos défenses en ton absence. Ah! Et vous avez pris l'habitude d'accueillir les visiteurs avec des boulets de canon ? Je suis navré. Les canons ne sont là que depuis quelques jours. Mes hommes n'ont pas terminé leur entraînement. Madonna! Ezio! Salor, Ezio! Je le vois! Buongiorno! Salve, Mario! C'est bon de rentrer chez soi! Felice anno nuovo! Cet endroit ne cesse de prospérer. Grâce à toi! Mon frère! Claudia. C'est bon de rentrer. Comment va mère ? Elle va bien. On m'avait prévenu de ton retour, mais j'étais impatiente de te voir. La comtesse de Forlì est venue t'accueillir. Je ne te savais pas aussi célèbre. Caterina ? Ici ? Est-ce enfin terminé ? L'Espagnol est-il vraiment mort ? Attendez-moi dans le bureau de Mario ce soir. Je vous expliquerai tout. Je te préviens, Ezio. Ils voudront tout savoir. Claudia, dis à la comtesse que je serai ravi de la voir ce soir. Les hommes de cette cité ne sont pas bien courageux. Toute une armée devrait m'aider, mais là... personne. Tu as besoin d'aide ? Salve. Toutes ces fleurs ? Si c'est pour ton mari, il a de la chance. C'est moi qui ai de la chance. J'ai trouvé un volontaire. Je vais voir ce que je peux faire. Je crois que je n'ai pas été tout à fait franche avec toi. Ah ? Je ne suis pas mariée. Ces fleurs sont pour une fête. Et suis-je invitée ? À l'anniversaire de Claudia Auditore à la villa ? Tu as une certaine prestance. Si tu le souhaites, tu peux m'accompagner. Tu penses vraiment que j'ai de la prestance ? C'est ce qui m'a frappé chez toi. Personne ne marche avec autant d'assurance. Je suis sûre qu'Ezio Auditore lui-même serait impressionné. Ah ? Et que sais-tu d'Ezio ? Claudia ne jure que par lui, mais ses visites sont rares. D'après ce que je sais, il n'est pas très présent. C'est vrai. Je m'en veux. Oh non. Toi ?
Cette fête est censée être une surprise. Surtout, ne dis rien à Claudia. Et comment comptes-tu acheter mon silence? Tu verras, je déborde d'imagination. Je serai content de voir ça quand nous serons arrivés. Et à propos d'acheter mon silence... J'ai peut-être une idée, mais il y a une condition. Je t'écoute. Tu devras attendre jusqu'à demain. Puisque c'est ainsi, je n'insisterai pas. Tu ne seras pas déçu, Ezio. Crois-moi. Buongiorno. Ezio, Mario va vouloir m'étrangler. Son cheval préféré s'est sauvé. Ne t'inquiète pas, je vais le ramener. Dieu te bénisse, Ezio. Voilà. Grazie, Ezio. Ces chevaux sont trop rapides pour moi. Tu es en bonne santé, tâche d'en profiter. Ne passe pas tout ton temps au combat comme ton oncle Mario. J'ai déjà remporté tous mes combats. C'est ce que je voulais entendre. Arrivederci, Ezio. Alors, ce sont les nouveaux canons? Oui, Signor Ezio. Je peux en essayer un? Oui, mais... Allez, dis-lui! Nous n'arrivons pas à les faire fonctionner, et l'idiot qui les a installés est introuvable. Alors ce serait à moi de le retrouver. Oh, vous avez sûrement mieux à faire. Ça ne me gêne pas du tout. Et ce n'est pas le temps qui me manque. Salve, messere. Il faudrait réparer les canons sur les remparts. On verra plus tard. Sachez que je ne travaille jamais avant midi. Et savez-vous quelle heure il est? Je fabrique des canons, pas des horloges. Si vous êtes occupé, je peux m'adresser à un autre. Uno momento. Je ne laisserai personne toucher à mes canons. Les soldats n'ont aucun respect pour l'artillerie. Il croit qu'un canon fonctionne comme par magie. Alors qu'il faut lui parler, faire preuve de délicatesse. Pour l'instant, nous sommes équipés de canons rudimentaires. Mais j'ai récupéré les plans d'une arme française. Un canon à main. Qui plus est, entièrement construit en fer forgé. Imaginez, une arme dangereuse et portative. Oui, ça, c'est l'avenir.
Qu'avez-vous fait? On les a essayés? Ils n'étaient pas prêts à tirer! Vous auriez pu tous nous tuer! Laissez-moi regarder. C'est son haleine qui va nous tuer, pas ses canons. Vous n'avez qu'à apprendre à vous en servir, imbécile! Voilà, c'est bon. Visez quelque chose pour vérifier l'alignement. Le problème ne doit pas venir du canon. Quelqu'un qui s'est visé ici. Bien, passons à l'autre. Je dois partir. Merci du coup de main. Si vous entendez tirer demain, pas de panique. C'est nous qui allons nous entraîner. Malheureusement, j'ai bien peur que ça ne serve à rien. Très drôle. Bon, réparez l'autre canon. Bonjour, Ezio. Caterina, que me vaut l'honneur de ta présence ici? Je suis venue solliciter ton appui. Les armées du pape marchent une nouvelle fois sur Forli. Tes mercenaires pourraient nous être d'une aide précieuse? Je crois être en mesure d'honorer ta requête. Nous en parlerons plus tard. Mère! Machiavelli. C'est fait. Même si, je crois, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai pénétré dans le Vatican et affronté Rodrigo. Non ! Il a utilisé le pouvoir du bâton contre moi, mais je l'ai vaincu. En combinant le bâton et la pomme, je suis entré dans le sanctuaire. Et là, un tableau mouvant de la déesse Minerve m'a parlé. Elle a évoqué une terrible tragédie menaçant l'avenir de l'humanité, ainsi que des temples oubliés qui abriteraient notre salut à tous. Puis elle s'est adressée à un fantôme, Desmond, comme s'il avait été là, juste à côté de moi. Et puis elle s'est tue. Elle a disparu. C'est incroyable. Ça alors, j'ose à peine y croire. Le sanctuaire n'abritait pas l'arme terrible que nous redoutions. C'est une bonne chose. Parle-nous de la déesse Minerve. Avait-elle forme humaine? Oui, mais sa voix était céleste. Les siens ont péri il y a longtemps. Si seulement vous aviez vu les prodiges dont elle est capable. Qui est ce Desmond? Et où sont les temples que la déesse a évoqués? Je l'ignore. Nous devrions peut-être les chercher. Dis-nous comment Borgia est mort. Rodrigo a-t-il imploré ton pardon? S'est-il amendé? A-t-il cherché à te corrompre? Non. Rien de tout cela. Intéressant. Je suis vraiment surpris qu'il ait gardé son calme. Je l'ai laissé vivre. L'Espagnol est en vie? Quand tous nos ennemis seront vaincus, alors nous parlerons de Dieu, de sanctuaires et de mondes oubliés. Tu aurais dû le tuer. Cette erreur nous coûtera cher. Je ne suis pas venu parler du passé. Ensemble, nous devons discuter de l'avenir. Non.
Il faut que je parte pour Rome, séance tenante. Ezio, je ne sais pas pourquoi tu l'as épargné, mais je te fais confiance. Machiavelli changera d'avis. Bienvenue chez toi. Si on recommençait. Il suffit de demander. Je ne voudrais pas te priver de ton libre arbitre. Chut. Qu'est-ce que c'est? Probablement quelques hommes qui s'entraînent. Vite! Je dois trouver Mario et rassembler nos troupes. Mes hommes sont dans la cour. Je vais les faire sortir et prendre l'ennemi à revers. Sois prudente. Ce sont les Borgia. Et nous n'avons rien vu venir. Ils ont dû se rassembler à l'est pendant la nuit. Il faut les retenir le temps que les habitants évacuent. Tu peux compter sur moi. Utilise les canons en haut des remparts. J'en profiterai pour mener une attaque frontale. Tu l'as prise? La pomme est en sécurité. Il faut empêcher les Borgia de pénétrer ces murs tant que les habitants n'auront pas évacué. Insieme per la vittoria. Insieme. Mario, sois prudent. Toi aussi. Il faut les retenir pour permettre aux villageois de s'échapper.
Chargez le canon. Visez leur canon, signore. Je sais que tu es là, Ezio. Le pape m'a longuement parlé de toi, de ton petit groupe d'assassins. Et de ceci. Apporte-moi l'arme que son ami a conçue. Cette tuerie n'a que trop duré. Je crois qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Alors considère ceci comme une aimable invitation de ma famille. À la tienne! Mmh.
Basta. Je peux marcher. Attention ! Ils arrivent ! Tous avec moi ! Repliez-vous vers la villa ! Non, je n'y arriverai pas. Tous avec moi ! Tuez-le ! Tout est dans l'exécution. Tuez-le! À ta place, j'ai mis prêt. Je vais les retenir. Non ! Attends-nous ! Nous vous croyons morts, Serezio. Pas encore. Où conduit ce passage ? Au nord, de l'autre côté des murs. J'avoue que je suis surpris. J'y vais ! Je dois aider les troupes ! Plus vite, Ezio ! Et notre mère ? Elle va bien ? Je suis là, Ezio. Grazie a Dio. Nous ne pouvions pas partir sans toi. Nous courons un grave danger. Prends soin de mère. Où est Mario ? N'était-il pas censé nous attendre ? Les troupes de Borgia ont cerné la ville ! Mario est mort. Vous devez partir d'ici. Conduis mère à Florence. Amenez-moi un cheval ! Tu ne viens pas avec nous ? Mais où iras-tu ? À Rome. Va, mon fils. Élimine-les tous. Mais surtout, n'oublie jamais pour qui nous nous battons. Lucie, j'arrive toujours pas à localiser la PDE d'Ezio. PDE ? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ? Désolée, Desmond, la pomme d'Éden. Au Vatican, Minerve a dit qu'il fallait trouver les autres temples. C'est la seule et unique manière d'empêcher qu'une catastrophe ne frappe notre planète. C'est ça. Pour trouver ces temples, on va devoir mettre la main sur la pomme d'Éden qu'Ezio a trouvée. Je crois que le fragment s'est altéré au contact de Minerve. Attends, c'est la Villa Auditore ? Eh ouais, c'est notre seul planque en Italie. Les Templiers continuent de surveiller les frontières. Ezio a caché la pomme d'Éden aux alentours de 1507. Mais quand j'essaie d'accéder à cette séquence ADN, on dirait qu'il se souvient d'autre chose.
Un souvenir prisonnier d'un souvenir ? Oui, c'est ça. Peut-être. Faudrait te décider. Tu avais déjà rencontré ce genre de problème chez Abstergo, non ? Chez le sujet 15, un phénomène plus ou moins semblable s'est manifesté, mais elle était enceinte. Les souvenirs du père du fœtus entraient en conflit avec ceux de la mère. Desmond n'est pas enceinte. Non. Non, je crois que ça se saurait. Il s'est juste goinfré. Tu peux accéder à une séquence ultérieure ? Non, c'est impossible. Ça me rappelle quelque chose. Les dernières mémoires d'Altaïr restaient inaccessibles si Desmond n'améliorait pas sa synchronisation. On a peut-être affaire à un problème similaire. L'agitation d'Ezio doit se répercuter sur Desmond et déstabiliser sa mémoire. À moins que Rebecca soit vraiment incompétente. Toi, ta gueule. Quoi ? Eh bien, je cherche une explication, c'est tout. Et celle-ci me paraît la plus plausible. Malpoli. Cet endroit n'est pas sûr. Les murs ne les empêcheront pas de détecter nos portables. Avec des satellites de surveillance ? Non mais tu déconnes. Ça fait un bail qu'Abstergo se sert des antennes relais. Les ondes balayent tout au niveau du sol. C'est sûr, ils vont nous retrouver. Ça m'étonnerait. Allez, venez. Une poutre bloque le passage de l'autre côté. Non, on peut pas passer par là. Alors, on fait quoi ? Il me semble que l'autoroute n'est pas très loin. Non, on peut pas rester là, ce serait trop risqué. Est-ce qu'on a des bâches ? Il faudrait cacher le camion. Sans vouloir être alarmiste, on n'a pas vraiment le temps de discuter. Ben dans ce cas, t'as qu'à nous aider, Sean. T'as bien une idée, non ? Je ne sais pas. Et si on cherchait un autre moyen d'entrer ? Hey, je crois que j'ai trouvé. Suis-moi. Desmond, c'était vraiment super. C'est venu tout seul. On peut entrer par là. Bien joué. Et puis nous, on va vous attendre ici, c'est ça, on va rester tout seul, prêt à se faire canarder à la première occasion. Pourquoi ça s'allume pas ? Ça fait du bien de se détendre. Et t'emballe pas trop, on n'est pas là pour s'amuser. Je crois rêver. Lucie qui me parle de s'amuser. Quoi ? Desmond ? Je sais rigoler, moi aussi. C'est très convaincant. Ouais, on y croit. D'accord, d'accord. Quand on aura sauvé le monde, je te le prouverai. Tu veux me mettre ça par écrit ? Il y a de la lumière. C'est quoi ça ? J'ai rien vu du tout. Courez ! Sortez avant que les soldats ne vous attrapent ! Correte ! Allez ! Ils se sont enfuis par là. Qui ? Ezio et les villageois. Après l'attaque, je peux les voir. Je sais que c'est difficile, mais essaie de cloisonner ton esprit. Reste bien concentré. Et si mes visions ne cessent pas ? Bientôt, je vais me mettre à peindre les symboles sur les murs. Plaisante pas avec ça. 16 est mort. On se concentre sur le présent, d'accord ? Coincé. Génial. Je vais passer en dessous. Prêt ! Tu pourrais pas soulever cette grille ? Si, mais j'ai envie de profiter de la vie encore un peu. J'ai plus qu'à faire le tour. Ce passage doit mener à la galerie qui est juste en dessous. Gare aux chauves-souris ! Où ça ? Non, je voulais juste te prévenir. Eh ben toi, tu ferais pas un bon guetteur. Ah.
Desmond ? Encore des fantômes. Je suis là, d'accord ? Reste avec moi. T'es blessé ? Non. Est-ce que Mère va bien ? Desmond, on peut pas l'escalader. Et si tu me faisais la courte échelle ? Ça marchera pas. Je pourrais te propulser en l'air pour que tu agrippes la corniche ? N'importe quoi. Suis-moi. Accroche-toi. Qu'est-ce que tu... Bien joué. À ton service. Ces tunnels ne doivent pas être tout jeunes. Ils datent du Moyen-Âge. Heureusement, les poutres supportent notre poids. Vu le temps que j'ai passé dans la Limus, ça risque de poser problème. Je voulais pas te le dire, mais t'as vraiment pris du poids. Aïe. Rebecca a dû renforcer la structure de la Limus. T'es sérieuse ? Non. Tu es prête ? Ouais. La dernière fois que je suis venu... Non, Ketsuo est venu. Ouais, c'est ce que je voulais dire. J'aurais pas dû te mêler à ça. Ça me plaît pas. Hé, sérieusement, je ne me suis jamais autant éclaté. Et tout ça grâce à toi. Concentre-toi sur ce qu'on a à faire, d'accord ? Et alors, il est forcément pour moi ? Si je m'occupais de tous les leviers, t'aurais plus rien à faire. Plus rien ? Bien essayé. T'es prête ? Il y a un levier ! Ça s'est ouvert ! Mais j'aperçois un levier de l'autre côté. Super. Ezio prend un bon bain chaud avec Catherine Sforza et moi, je dois nager dans la merde. C'est bon, je m'en charge. Il y a un autre levier plus loin. Viens par ici. J'y crois pas, l'eau est glaciale ! Arrête de geindre ! J'aimerais bien t'y voir, des déchets toxiques datant du Moyen-Âge ! Je pue, c'est atroce. N'en rajoute pas. Tu l'as dit toi-même, tu t'es jamais autant éclaté ! Ouais, ouais. Prête ? C'est parti. Ok, lâche tout. Et toi, pourquoi tu ne te mouilles jamais ? T'es là pour ça, non ?
Charmant. N'est-ce pas? Je te tiens. Merci. Ezio! Nous sommes de l'autre côté, vite! Génial, le pont est foutu. On ne peut pas sauter. J'ai une idée. Tu vas m'aider. Reste près du bord et tiens-toi prêt. Prêt. C'est bon. Voyons ça. T'as qu'à continuer! Moi, je vais mourir ici, avec les chauves-souris, dans le noir! Allez, saute! Bien joué. Les chauves-souris seront déçus. Tant pis. Soldati! J'ai trouvé une entrée! Ici. Ça va, j'ai compris, c'est encore à moi d'abaisser le pont. Hein? Comment ça encore? Je plaisante, c'était pour voir si tu suivais. Ah, très drôle. C'est bon! Merci, Desmond. Cette fois, je vais pouvoir rattraper mon retard. Voilà. Merci. C'est un début. Allez, à toi de jouer. C'est parti! Merci. On fait une belle équipe. Ok. Viens, Desmond. Allons-y. C'est bon, joue à la crypte.
l'air si... vieux. Ezio a dû revenir ici longtemps après l'attaque. Mais pourquoi ? Desmond ! Ok, ouvrons cette porte. Sers-toi de la vision spéciale que t'as héritée d'Altaïr. Je vois quelque chose. Desmond, tu vas l'ouvrir, cette foutue bibliothèque ? Vous avez réussi ! Mon Dieu ! Eh bien, il était temps. C'est quoi ? Un petit souvenir du passage d'Ezio. Et il y a des chiffres en dessous. 1419, 1420 et 1421. Faudrait peut-être que tu te reposes un peu. Non, c'est bon, ça va. Waouh ! Cet endroit a vraiment été construit pour durer. Il n'y a même pas une seule fissure et on capte aucun réseau. On sera en sécurité. On peut installer l'Animus ici. Ok, tout est en place. Sean, cache le camion en ville. Assure-toi que personne ne te suit. Mais... c'est quoi cette puanteur ? C'est... mes vêtements. Attends, t'as piqué une tête dans les égouts ou quoi ? T'as qu'à demander à Lucie. Attendez les gars, y a pas de courant ici. Je pourrais me raccorder à la ligne qui passe à côté, mais la tension est trop basse. Mais oui, bien sûr, et ce sera tout, un petit peu de caviar tant qu'on y est. Oh, je peux aussi vous tricoter une écharpe si vous préférez. Non ? Bien, suis-moi. Localise les boîtiers de raccordement dans Monteriggioni. On va se servir des gadgets de Rebecca pour rediriger le courant électrique et alimenter la ligne qui passe sous la villa. Ne me pose pas de questions, je ne suis que le crétin chargé de cacher le camion.
Je suis là. Juste à temps. Le jour se lève. Le système a booté. Yes, on peut y aller. Je vous ai manqué? Non, personne? Eh oh, je vous parle, hein. Allô? Elle ne m'écoute pas. Bien, on peut y aller. Ces nombres qu'on a vus, tu sais ce qu'ils signifient? 1419, 1420, 1421... Ah, ça a sûrement un rapport avec la guerre de 100 ans. À moins que... Attendez, en 1419, le pape Martin V arrive à Florence. Oui, c'est ça. Il part pour Rome en 1420, quand Brunelleschi commence la construction du dôme. Et en 1421... En 1421... Désolé, il faut que je fasse des recherches. Alors, tu te plais à Monteriggioni? Ce n'est plus Monteriggioni. Monteriggioni existait à la Renaissance, mais je peux te dire comment elle est tombée aux mains des Florentins en 1554. Je pensais que tu apprécierais. La ville n'a pas beaucoup changé. Justement. L'histoire est une affaire de changement. C'est exactement ça. Quand les choses ne changent plus, elles n'existent plus. Je pourrais discuter de tout ça pendant des heures, Desmond, mais on a du pain sur la planche. Qu'est-ce qu'on va faire pour Abstergo? Je sais pas. Quand on aura trouvé la pomme, je contacterai les autres cellules basées en Europe. Mais en tout cas pour l'Italie, on est tout seul. La direction pourrait nous donner un coup de main? Nos meilleurs agents essaient de découvrir le site d'où les Templiers lanceront leurs satellites. Nous avons suivi plusieurs pistes aux États-Unis, en Chine et aussi en Russie. Mais rien de concret pour le moment. Que font les autres équipes? Elles empêchent Abstergo de localiser les autres fragments. À ma connaissance, ils ne savent toujours pas où se trouvent les temples et la pomme d'Ezio. Je pense qu'on a une longueur d'avance sur eux. Je suis très occupée. T'as l'air concentrée. Je suis en train d'installer les toutes dernières mises à jour du bébé. T'es loin d'avoir tout vu. Desmond va pouvoir revivre des souvenirs cette fois. Ouais, ça, j'en suis sûre. Toujours collée à l'écran? Avant, je faisais du snow. Je me suis mise à l'informatique quand je me suis cassé une jambe. Je m'imaginais vraiment pas que je pourrais m'éclater autant devant mon clavier qu'en sautant d'un hélico avec ma board. Et pour info, tu devrais te faire inspecter les glandes surrénales. Tu sais, tu n'es vraiment pas normale, Rebecca. Il faut que je reste concentrée. Tu as dû le remarquer dans le camion, j'ai fait quelques modifications à l'Animus, et j'ai implémenté un nouveau programme d'entraînement virtuel. Ici, tu vas pouvoir frimer avec toutes les aptitudes héritées de tes ancêtres. Attends, je vais lancer une mission.
Tu peux accéder à d'autres missions à partir du bureau de l'Animus. Plus tu réussiras les entraînements, plus j'ajouterai de nouveaux défis. Pour empêcher ton subconscient de refouler les derniers souvenirs d'Ezio, tu vas devoir les revivre dans l'ordre où son génome les a enregistrés. Sélectionne la deuxième séquence, Desmond. Bien, maintenant ouvre-la pour voir tous les souvenirs qu'elle contient. Dès que tu as débloqué une mémoire, tu peux la revivre autant de fois que tu le souhaites en passant par ce menu. Et s'il y a des souvenirs que je préfère oublier ? Desmond, je suis très sérieuse. Si tu dois faire une pause, déconnecte-toi de l'Animus. Tu peux sortir de la machine quand tu veux. Je suis en pleine forme, t'inquiète pas. Ah, un dernier truc. Plus tu revivras les actions de ton ancêtre, plus ta synchronisation à sa vie sera poussée. Et plus tu auras de chances d'accéder à ses souvenirs refoulés. Ok, on est parti. Lance la première mémoire. Desmond, en étudiant les codes à 5 chiffres récupérés à la fin des fichiers du sujet 16, j'ai remarqué une coïncidence troublante. Les codes correspondent très exactement à des coordonnées à l'intérieur de l'Animus. J'ai marqué l'emplacement des monuments qui se trouvent à ces coordonnées en utilisant des icônes en forme d'œil. Je doute que tu trouves quoi que ce soit sur place, mais on ne sait jamais. Calmez-vous. La douleur va passer. Mais où suis-je ? Chez moi, Messere. Un homme vous a amené ici. A-t-il dit quelque chose ? En effet. Vous devez retrouver un certain Messer Machiavelli devant l'entrée du mausolée d'Auguste. Laissez-moi vous aider. C'est l'homme qui m'a amené ici qui a laissé ses vêtements ? Oui, Messere. Oui. Ou plutôt ce qu'il en reste, maintenant que les Borgia sont au pouvoir. Où est le mausolée ? Malheureusement, on ne peut pas le voir d'ici. On ne le verrait pas mieux du haut de cette église ? Si, mais il est interdit d'y monter. Ça ne sera pas un problème. Je te remercie sincèrement pour tout ce que tu as fait pour moi, bonne donna. Addio. Oh!